Salut tout le monde, c'est Séraphin, on est reparti sur les Sims. Alors ça y est, on a déménagé, on a revendu tous les meubles, on a gardé quelques petits trucs. Et donc on va prendre cet appartement-là qui est beaucoup plus grand, totalement mal organisé, on va tout refaire, même les murs intérieurs. Mais voilà, celui-là est déjà beaucoup plus grand, peut accueillir pas mal d'enfants. Même si bon, c'est peut-être pas prévu au programme qu'il y en ait 25, mais voilà, au moins il y a de la place. Il y a de quoi faire. Ses attributs sont gnome. Chaque nuit, tous les ustensiles pétés sont réparés. Et fée généreuse, ce qui fait que de temps en temps, on a comme ça des petits simflous qui apparaissent dans notre compte en banque. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'animation. Parce que j'ai fait un petit test sur une partie solo et c'est ces petits trucs-là. Donc bah go, on est parti. Je l'ai pas pris meublé parce que les meubles de base c'est de la merde. Du coup, voilà. Et voilà, Madame Seraph qui tousse. Désolée. Elle s'est dit, voilà, allez, allez, je vais faire ma chiante, je vais bousiller sa vidéo, voilà. Alors déjà, on va mettre un mur là. Ici, on va rajouter une porte. Et oui, Madame Seraph est là, elle a pas dit bonjour, elle est mal polie Tu comme vas pas présenter en même d'habitude. temps. J'ai pas besoin de te présenter, t'étais là à la vidéo d'avant. Sinon, Bon, bonjour. elle est là, casse-couille, mais elle est là. en plus, elle va me refiler sa crème. Tiens, porte noire, elle est bien celle-là. Allez, hop, voilà. Ensuite, tac, 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 je détruis ça, 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 ça. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de garder cette pièce-là? Donc là, on va foutre des petites toilettes douche, voilà, vite fait. Ici, on va mettre la cuisine. Ah oui, puis dans les voisins, il n'y a que ce petit studio-là qui est habité. L'autre, il n'y a personne dedans. Ici, de base, il y avait la cuisine. Mais c'était très mal conçu. Tac. Tac, tac, tac. Alors promis, ce coup-ci, on va essayer de faire une vidéo assez plus courte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord, c'est un mur. Essayer de faire des vidéos un poil plus courtes. Quitte à couper en plusieurs épisodes de la déco. Alors là, je mets la cuisine. Là, voilà. Bah, ça aussi, on peut le supprimer. Merde! Merde, merde, j'ai fait le con. Hop, hop, hop. Lâche-moi ça. C'est quoi ce bordel là? Tac, voilà, donc là, on a ce qu'il faut ici. Les murs, les murs, les murs, les murs. Merde, c'est où les murs? C'est ça. Alors, du coup. 1, 2, 3, 4, 5. Tac. Tac, là ça fait une chambre. Par contre, il va falloir que je change les fenêtres. Ouais, mais c'est juste une chambre. Un lit, une armoire et basta. C'est des chambres, quoi. Hop. Pourquoi je peux pas prendre les fenêtres? Pourquoi ce bordel? Parce que c'est l'extérieur et ça fait partie de l'immeuble en fait. Ah ouais, mais ces fenêtres-là sont moches quoi. Tant pis, ça sera la chambre des gosses. Voilà. Allez hop. Quand il y en aura bien sûr. Ici ça nous fait combien? 1, 2, 3, 4, 6. 6, donc 1, 2, 3, 4. Faire ça comme ça, une deuxième piole ici. Ici tout est fermé, on va en profiter, on va faire une salle de bain du coup. Tac, tac, voilà. Et du coup, on a une grande pièce pour vaquer à plein d'occupations, ce qui va être pas mal. Alors,
On va passer en journée, s'il vous plaît. Ah ben voilà, bon, c'est pas beaucoup plus éclairé. Du coup. Non, on va laisser les murs, on va s'occuper déjà de la déco générale. Tac, voilà, c'est ce que je voulais. Ben, c'est pour la salle de bain justement, donc oui, je sais, je regarde juste ce que ça donne. Très lumineux, hein. Hop, ah, pour celui-là et pour l'autre, attends, c'était quoi que j'ai mis? C'est celui-là que j'ai mis. Pourquoi pas la même chose, mais genre d'une autre couleur. C'est pas belle leur couleur. Bah, tiens, on va mettre du gris. Hop, voilà. 2, 3, 4, ouais, c'est bon. Ensuite. C'est même pas des briques, c'est des parements et tout, c'est dommage. J'aurais bien fait un petit intérieur brique. Du coup, donc peinture, on a quoi? Rien de très beau. Papier peint, ça c'est bizarre, il y a une peinture à papier peint, c'est la même chose. Papier peint, hop, peinture, hop, ouais. Papier peint, hop. Ah ouais. C'est con. Boiserie pour les parents. C'est affreux. C'est limité comme couleur. Ça c'est moche. Les 4 parents. Pierre non plus. Parement non plus. Et du verre, voilà. Ok, bon bah tant pis, on va mettre de la boiserie. Ah, peut-être cela. Ouais, on va plutôt miser sur du clair. Voilà. Au niveau de la chambre des gosses. C'est dégueulasse tout ça, c'est dingue. C'est joyeux, c'est tristounet l'intégralité là, donc Tu peux pas savoir déjà si t'as une fille ou un garçon à l'avance. Bah c'est surtout que les deux, s'il y a deux enfants, ils seront à la même pièce quoi, donc Ça va faire juste, hein. Oui, mais on s'en fout. Par la suite, on aménagera. Si on n'a pas déménagé d'ici là, hein. La partie elle est très longue, hein. On aura peut-être déménagé entre temps. Là, ça m'a appelé à Disney, ça. Maison hantée, l'ascenseur. Merde. Après c'est des petits machins avec des petits lapins ou des petits papillons. Ça c'est plus féminin. Et l'autre, il n'y a pas un truc un peu plus. Ah, quoique il y a du neutre là. Ça fait neutre. Alors ensuite, je vais reprendre mon principe que j'avais fait à l'ancien appart. Une brique apparente pour
compte lesquels. Pour le salon, salle à manger, tout ce qu'on veut. Celui-là. Celui-là est mieux. Voilà. Et pour la cuisine. Non, non, mais c'est parce que je fais toute la pièce, puis après je fais le reste. Pour la cuisine. En boiserie, c'est celui-là que j'avais mis. En gris, je crois. Donc c'était peut-être pas celui-là. Quoi qu'il y a ça qui est pas mal. Ce qui est plus clair. Celles-là sont plus claires. Ça fait moins rustique. Je veux pas de rustique justement. Une extraterrestre avec un scientifique, c'est plutôt très moderne. Oui, d'accord. Les parements, j'ai pas. Ouais, non, les parements, il y en a de. Particulier. Les parements, c'est plus en extérieur. Oui, mais on s'en fout, c'est un appart très. Voilà. Oui, tu avais du creepy aussi pendant qu'on y est. Bah, tu sais, il y a beaucoup d'apparts dans le studio. Moi, c'était des briques apparentes comme ça que j'avais faites. Enfin, c'était des fausses briques que j'ai collées. Ouais. Ça faisait super beau. Ouais, je veux du clair. Oh, mais c'est juste la bande du bas, ça. Pam pam pam. Quoique, bingo, c'est bon, j'ai trouvé le. Tac. Tac. Voilà. Et voilà. C'est un poil plus clair. Alors, on attaque les sols. En couleur. La place, c'est des couleurs uniques. C'est ça, c'est que j'ai mis des murs un peu blancs. J'aimerais bien refléter le côté blanc. Et peut-être pas là-dedans. Ouais, c'est couleur unique, tout ça aussi. Le vieillot revient à la mode, chérie. Hein? Le vieillot revient à la mode. Et le vieillot et le vieillot moche. Ça, je sais pas ce que ça va donner. Ça, c'est quoi ça? Non, ça, c'est plaque de métal. Ça, c'est du carrelage. Ah, quoi qu'il y a ça qui est pas mal. Ah, y'a pas vulgaire. Quoi, du coup, la lumière? Ah, si, ça peut le faire. Allez, hop. Tac. Ça, c'est pas mal. Ensuite ici, plutôt du parquet. Un bon parquet. C'est quoi ça? C'est du parquet bouchon? C'est des copeaux. Tac. Comme si là ça serait pas mal. Vos clartés. Hop. Hop là. Je regarde pas au niveau pognon, on est toujours à 100 000 donc ça va. On n'a pas trop à se plaindre. Donc là on a tout. Par contre ici il faut que je mette du carrelage. Je vais mettre un carrelage bleu ici. Et dans l'autre, on va foutre un.
celui-là, même si ça fait dégueu, c'est pas grave. Chambre des parents, elle est comment? Elle est assez claire. Qu'est-ce qu'on a dans les moquettes? Moquette. Tac. Et la chambre des gamins. Voilà ça, genre. Bingo. Bon, alors voilà. Pour les décos principales. Par contre, j'ai oublié de mettre les portes. Mais du coup, je reprends la même. Alors, salle de bain. On va mettre la porte là. Parents ici. Les gamins, si je la fous là, je perds moins de place. Ouais, on va laisser comme ça. Voilà, hop. Ce qui fait que ça serait pas mal ouvert. Bam. Voilà, annulé. Alors réfléchissons, qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Du coup, il y a deux salles de bain, donc c'est nickel. L'espace cuisine, il sera ouvert? Ouais. Ouais, totalement ouvert. Non, il y aura un petit coin aussi avec les espèces de parements bizarres. Enfin, j'essaierai de faire un petit truc au fur et à mesure. Ouais, bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. On a retapé tout ça. Prochaine vidéo, on commence la déco, donc on commence les salles de bain, la cuisine. Vu le temps que ça nous a pris la première fois, voilà, je pense que ça fera aussi une vidéo et après on attaquera la reste au fur et à mesure. Donc voilà, je fais des petites vidéos, mais ça sera plus pratique. Même pour Madame Seraph, quand c'est trop long au bout d'un moment, elle commence à bailler tout le temps. Et tout. Non, c'est juste là que je suis enrhumé. Ouais, pas parce que t'es enrhumé que ça baille. Donc voilà, bon, on voit pas grand chose, y a pas beaucoup de lumière, je pense que on verra mieux après. Après, avec les éclairages et tout, voir ce que ça donne. On va essayer de mettre un peu plus de couleurs pour vous faire plaisir, parce que sinon moi je mets tout en noir, blanc, gris. Moi c'est mes couleurs favorites, ça. Même si j'aime bien le vert, mais pas dans la déco. Je pense qu'il y a une dame dans la famille. C'est une alien. C'est pas une dame. Si, c'est une dame. On sait pas son sexe. Hein. Si. Les aliens, moi j'ai pas fait les études de leur anatomie encore. Tant que j'ai pas vérifié, hein, voilà. En plus, on a une belle vue sur le toit fleuri de l'immeuble où on habitait avant. Plutôt sympa, là, avec tout le côté verdure qui descend, là. Ah, d'ailleurs, il y a quoi sur notre toit? Ah, bah, par contre, ouais, c'est vrai que j'aime pas ce principe-là. Ah non, c'est même pas là où on habitait avant, je suis con, parce que là, on a changé de quartier. On a changé de quartier. Je dis des grosses conneries. Ah, et puis nous, on a que dalle, ok. Alors, eux, ils ont un beau truc verduré, nous, on a rien. Ok, oui, on est dans le quartier des arts, pour ceux qui n'ont pas suivi. On est parti du machin. Alors, ce qu'il y a de con, c'est que pas de panier de basket, y a rien, quoi. C'est, voilà. Pour le sport, ici, c'est... faut aller dans le musée, je crois qu'il y a des trucs de sport. Je suis même pas sûr, en plus. Donc, voilà, bon, bah, moi, je vous dis suite au prochain numéro. Passez une bonne journée. Tchou. Bye, bye.